Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Est-ce que tout fonctionne bien? Ouais, c'est parti, le micro fonctionne, l'image fonctionne. Bienvenue à tous dans ce nouveau live 100% Chart and Trade, donc le format du mercredi consacré exclusivement à l'analyse technique. On regarde un petit peu les taux quand même, on regarde les niveaux de volatilité évidemment, et puis on passe à la partie graphique directement, les indices européens, les indices américains. On fait un petit point sur les matières premières, les devises, et on termine par les cryptos. C'est du direct, donc vos questions peuvent être posées quand vous le souhaitez sur le chat YouTube qui est à votre disposition. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube de IG France, accéder à l'intégralité des vidéos, des replays, poser vos questions durant les directs, ou sinon vous pouvez rester sur le site d'IG, vous avez également des players qui sont disposés un peu partout sur le site, où vous pouvez suivre ce live, ainsi que voir les différentes analyses que nous postons. On se retrouve en dehors des lives, comme d'habitude, ce petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ces vidéos. On se retrouve sur Twitter également, en dehors de ces vidéos sur YouTube. Twitter, le compte IG France, sur mon compte également, le compte Abaradez, et également sur LinkedIn, compte IG France, et compte Baradez également pour LinkedIn. On va donc démarrer la partie graphique de suite. Quelques éléments un petit peu ce matin d'actualité rapide en quelques secondes. On voit que ça s'agite un petit peu du côté du Japon, avec déclaration à la fois du ministre japonais des Finances qui montre qu'il y a une grosse vigilance par rapport au mouvement sur le marché des changes. Vous l'avez tous vu, donc le yen a marqué un plus bas face au dollar depuis un peu plus de 30 ans maintenant. On a passé un petit peu ces niveaux de résistance hein, au-dessus desquels on est, enfin, tous desquels on était. On est passé au-dessus, puis vous voyez que le yen sera fermé à nouveau depuis quelques heures. Pourquoi? Parce que ça commence à faire réagir les autorités japonaises. Au moment où on se parle, on a une réunion de la Banque du Japon, réunion du ministre du ministère avec le ministère des Finances et le régulateur, le FSA, qui donc se réunissent pour parler justement de cette thématique, marché financier et probablement et très sûrement marché d'échange, où le ministre des Finances a dit quelques heures auparavant, pendant la nuit, que tout mouvement indésirable est fort. Hein, marché d'échange, eh bien, devait être en gros, alors, j'ai pas exactement les propos en tête, mais devait être contré ou devait être surveillé, et qu'en gros, la Banque du Japon, que les autorités se gardaient le droit évidemment d'intervenir si cela était nécessaire. Donc on sent que le glissement du yen commence à mettre un petit peu mal à l'aise les autorités japonaises. Et donc voilà, ce matin, ça discute beaucoup autour de la question du taux de change notamment. On rappelle il y a quelques jours que les autorités japonaises ont mis fin à une politique qui était extrêmement accommodante. Alors ils ont mis fin de manière très progressive. Hein, ils ont décidé de relever un petit peu le taux principal de 0,1%. Ils l'ont ramené donc de négatif à positif, mais donc seulement un 10 points de base de redressement. Ils arrêtent les achats d'actions et puis également ils laissent flotter hein, sans aucun problème désormais, sans aucune contrôle en courbe de taux, ils laissent flotter ben, les taux librement, le 10 ans notamment. Et donc on voit voilà que ben, comme effectivement c'était, on l'a vu ensemble, c'est des choses qu'on sentait arriver, on en parle déjà plusieurs semaines avant, il n'y a pas eu de surprise en fait hein, par rapport à ces opérations là. Et donc, ce qui aurait pu raffermir un peu le yen, eh bien, ça ne se fait pas parce que bah, finalement, le marché se dit bon, il y a toujours un contrôle de la courbe de taux qui est implicite en fait. Hein, ce qu'on avait décrit par rapport au Japon, c'est que le Japon a indiqué, la Banque du Japon a indiqué que certes, il y a plus de contrôle de la courbe de taux, mais qu'en gros, les autorités, la Banque du Japon, se réservaient le droit de continuer à acheter des obligations si nécessaire. Et ce message-là, bah, c'est un peu comme Powell l'autre jour, hein, quand Powell dit oui, il y a une baisse d'inflation, c'est pas trop, c'est une baisse ou c'est quelque chose de différent ou autre, mais je reste confiant. Bah, c'est en fait si le message qui en substance peut faire raffermir un petit peu les taux, bouger un petit peu les marchés dans le sens que vous souhaitez, si vous effacez cet effet avec une phrase en disant j'ai confiance, c'est exactement ce que fait la Banque du Japon. Elle dit j'arrête le contrôle de la courbe de taux, je remonte un petit peu mes taux, j'arrête les achats d'ETF, actions, etc. Mais je me garde le droit de continuer à acheter des obligations, donc c'est un contrôle de la courbe de taux implicite. Si le taux 10 ans monte un petit peu trop rapide, eh bien la Banque du Japon rachètera des obligations, elle dira non, c'est pas un contrôle de la courbe de taux, mais pour autant c'est tout ce que si vous achetez massivement des obligations sur le marché, eh bien, ça fait diminuer la pression sur les taux. Et voilà, donc, à un moment donné, effectivement, quand c'est trop prévisible, et c'est Alain Pitou sur Twitter, que j'aime beaucoup Alain Pitou, là, qu'on se connaît depuis quelques temps, et qui a posté ça ce matin, qui a dit qu'effectivement, sans effet de surprise, finalement, bah, les marchés continuent à jouer, entre guillemets, contre la Banque du Japon sur le marché d'échange. Donc, effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une surprise pour que ça change un petit peu. D'où pourrait venir la surprise, après, je vais passer à la partie indicielle, d'où pourrait venir la surprise, eh bien, c'est, par exemple, de... il pourrait y avoir une surprise soit de la part de la Banque du Japon, qui déciderait d'intervenir sur le marché d'échange, ou d'annoncer d'être une hausse de taux supplémentaire, ce genre de trucs, vous voyez, des choses un peu surprenantes. Ou alors, ce qui rendrait service à la Banque du Japon, c'est d'avoir des chiffres d'inflation aux États-Unis qui décroissent d'un seul coup. Par exemple, on a un chiffre d'inflation PCE vendredi, qui soit meilleur qu'attendu, vous voyez, qui montre que l'inflation, ça y est, vraiment en train de lâcher vers les 2%. Et dans ce cas-là, on rappelle qu'on a la faiblesse du yen, il y a aussi la force de l'arc, comme beaucoup, hein, le dollar qui pousse, on l'a vu, le dollar alors, qui pousse. On l'a vu par rapport à l'eurodoll, on était monté vers l'indice, on est retombé à 1,08. Il y a quand même depuis quelques semaines la thématique un peu du rebond des taux US et du rebond du dollar. Donc c'est sûr que le dollar fort, ça joue aussi contre hein, la Banque du Japon. Et même si elle a
était un peu moins souple à la dernière réunion. Là, le différentiel de taux est tel. On est à 5,50 sur, la fourchette de taux de la Fed, alors qu'on est à 0%. Fourchette 0,010, je crois, pour la Banque du Japon. Toujours dans la zone des zéros. Donc, il y a un tel différentiel de taux que ces petits ajustements de la Banque du Japon ne sont pas suffisants. Donc, pour que de l'autre côté du spectre, soit c'est la Banque du Japon qui change à nouveau, qui durcit un peu plus sa politique, et là le yen peut se renforcer, ou alors elle peut intervenir sur le marché des changes directement en vendant les dollars pour stimuler le yen, ou alors bah, c'est du côté des États-Unis que la surprise doit arriver, c'est-à-dire moins d'inflation d'un coup, des taux US qui se détendent et un dollar qui se détend. On verra donc l'euro remonter, on verra le yen du coup se renforcer aussi par rapport au dollar. Donc ça, c'est des deux côtés qu'il faut regarder, côté Japon, mais aussi peut-être côté États-Unis, hein, pour une éventuelle bonne surprise sur l'inflation, ce qui serait effectivement bon pour la Fed aussi, pour les premières baisses de taux de la Fed, mais du coup, qui se lèvera la question, du coup, les marchés actions iront encore plus haut. Hein, si effectivement on avait des chiffres d'inflation meilleurs et que effectivement on commence à avoir le dollar qui se détend, les taux qui se détendent, normalement, le marché actions est censé apprécier ça, même si le price déjà depuis quelques temps. Est-ce qu'il y aura un sell the news dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y aura encore un effet d'appréciation sur les actions? Normalement, si l'inflation diminue assez fortement vendredi avec l'inflation PCE, normalement les marchés sont censés aimer ça. Et l'inverse est aussi possible. Si l'inflation rebondit plus fortement, les marchés sont censés ne pas aimer. Donc ça, voilà, on aura le temps d'en reparler d'ici demain. On va démarrer tout de suite donc ce live. J'ai fait la petite parenthèse à Banque du Japon. C'était le seul truc à retenir, hein, d'aujourd'hui. Et on va donc démarrer directement avec la partie graphique et le CAC 40. Le CAC, donc, qu'on retrouve dans son range très ennuyeux, où il ne se passe pas grand-chose, très peu d'amplitude. Ça va faire maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, deux semaines pile, hein, deux semaines qu'on est là-dedans, presque, même plus que deux semaines, hein, sur pour cette bougie-là, voilà, entre 8000, en gros 8100, 8002, un peu au-dessus, toujours dans ce range. Je vais vous montrer cette séquence, vous l'avez peut-être déjà vu auparavant, mais donc ça, c'est un graphique en daily du CAC 40. Vous voyez le dernier rallye d'accélération, en gros, le rallye annuel, hein, qui part de janvier, on a à peu près les mêmes tailles de jambes haussières à chaque fois, vous voyez ça. Un plateau, poussé, plateau, poussé, plateau. Vous voyez, c'est très... on a l'impression que c'est des copier-coller, vous voyez, c'est le même pattern à chaque fois. Donc la question, évidemment, comme toujours, est-ce qu'après ça, c'est plutôt la distribution avant rechute vers ben, les plateaux précédents, 7009, voire la grosse oblique, hein, qu'on a souvent décrit ici et montré 7700, est-ce qu'on est en train de faire un ralentissement comme ça, ou est-ce qu'on est simplement en train de fomenter le prochain rallye, on accumule et on part, hein, sur des chiffres meilleurs qu'attendus, sur une inflation qui décroît, sur des baisses de taux qui arrivent, vous voyez, peu importe le sujet, mais est-ce qu'on par mimétisme, on refait la même chose une quatrième fois finalement. 1, 2, 3, est-ce qu'on fait une quatrième vague comme ça, ou est-ce au contraire dans une vague un peu de distribution? Ça, donc, personne n'a la réponse à ça à ce stade. Simplement, on ne peut, moi je trouve à ce stade, qu'essayer de travailler les tentatives de sortie. C'est ce qu'on avait fait avant-hier, ça n'a pas payé. On avait dit voilà, sous 8130-8140, on peut tenter d'être un peu vendeur là-dessus. Techniquement, notre objectif c'est 8000-7009, donc hein, des rewards intéressants et un stop à une trentaine, quarantaine de points. Le stop est pris, hein, le marché a repris, a rebondi, donc terminé pour les stratégies vendeuses. Mais selon moi, il n'y a que comme ça qu'on peut travailler les mouvements du CAC. Vouloir jouer dans le range, forcément, à un moment donné, il y aura une sortie de range, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et la question, c'est voilà, comme n'importe quel range, on essaie de jouer quand on se présente aux bornes du range. Hein, si effectivement on voit que le CAC commence à taper à nouveau les 8200, ce point haut, il est à 8229, donc c'est le sommet historique. Si on va retaper 8229, oui, on peut essayer de faire ce que le marché a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de sortir par le haut, et à ce moment-là, vous regardez à peu près la hauteur du range, c'est 100, 120 points de hauteur de range à peu près. Et bien, vous cherchez à projeter ça à partir du point de cassure à 8229, vous mettez 100 points ou 120 points d'objectif, un stop à 30 points derrière. Et vous tentez la sortie, vous voyez. Et de la même manière à la baisse, hein, si là le rebond ne tient pas, qu'on ne va pas retaper la zone haute, donc pas de signal d'achat et qu'on retombe à nouveau à 8100, ça peut accentuer le côté, effectivement, le marché est en train de s'essouffler, donc de distribuer pour lâcher derrière. Et donc, 8100, direction, là aussi, les cibles, c'est ce qu'on avait indiqué l'autre jour, hein, les premières cibles techniques, c'est d'abord la zone psychologique, c'est plus une zone psychologique que technique, hein, c'est les 8000, et ensuite les zones techniques plus marquées, c'est tout l'espèce de mini-range qu'on avait ici, vous voyez, de revenir à l'intérieur de ça, donc hein, de viser des zones 7900, 7950 ensuite. Donc là, voilà, on ne va pas remonter la poudre, hein, sur cette analyse-là, et bon, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, on a déjà souvent évoqué les questions de valorisation du CAC. On sait que c'est l'indice, un des indices les plus chers d'Europe. Il se paie 16 fois les bénéfices réalisés, contre 15 fois pour le DAX et contre 10 à 11 fois pour l'IBEX et le MIB. Ça a très souvent été le cas, donc c'est pas rare, hein, que le CAC soit le plus cher d'Europe. Mais à un moment donné, quand on parle des sujets... Et je vous ai mis ce matin un petit tweet, hein, pour vous montrer que, par exemple, sur la Chine, le rebond de mars avait été effacé sur la plupart des gros indices chinois. Ça, c'est le genre de choses qui
Vous voyez, si ça venait à se renforcer un peu, c'est-à-dire si on voit que le CAC commence à retomber à 8100, on voit qu'en parallèle, le rebond sur la Chine ne tient pas, et puis on voit aussi que dans le CAC, le segment du luxe, je vous ai fait un petit article, des citations qui ont été reprises par Capital là-dessus, justement sur le luxe, avec notamment l'effet un peu Kering, qui vient un peu tacler finalement le bon élan qu'avait eu LVMH. Vous voyez, dans cet environnement-là, si vous retapez la borne basse, on a plutôt envie de se dire, je vais prendre un peu les gains sur le CAC, que d'essayer d'accélérer derrière, vous voyez. Mais si par contre, vous tapez la borne haute, que vous voyez que LVMH rebondit, que vous voyez que les marchés actions chinois rebondissent, qu'il y a des bons chiffres d'inflation US, le marché va plutôt tenter d'aller d'abord à la hausse qu'à la baisse, vous voyez. Donc ça dépend de l'environnement dans lequel on fait le point bas. Actuellement, je dirais que vu ce qu'on voit, prise de gain LVMH, plus indice chinois qui s'essouffle un peu, si on devait retomber à 8100, je le trouverais tout à fait légitime de se positionner à la baisse et de tenter de prendre quelques gains, voilà, pour les horizons de prix qu'on vient de citer. Je vois des petites questions, effectivement, questions de Jean sur le chat, et après je ferai un petit tour de toutes les questions aussi. Jean, effectivement, qui parle au sujet d'actualité, le CAC n'a pas l'air de s'inquiéter du déficit budgétaire. C'est sûr que ça, c'est toujours un sujet récurrent en termes d'analyse des indices. En gros, est-ce que le CAC 40, qui est un indice mondialisé, LVMH, toutes les boîtes Schneider Electric, Airbus ou autres, est-ce qu'on doit s'inquiéter du déficit? Finalement, ces boîtes-là, elles vendent aux États-Unis, elles vendent en Chine, elles vendent dans toute l'Europe. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du déficit de l'État français? Et c'est souvent là qu'on peut dire, effectivement, les marchés, c'est pas l'économie, mais ce que moi je dis très souvent et que je continuerai à dire, c'est que c'est pas l'économie à l'instant T, ça l'est en revanche quand on diverge trop entre les perspectives de la micro et les perspectives macro. Je prends un cas concret. Imaginons que demain, l'État français décide d'augmenter les impôts sur les particuliers ou sur les entreprises. Il va aller taper chez qui sur les entreprises? Il va évidemment taper toutes les entreprises, dont les très grosses. Les très grosses qui ont leur siège en France, qui ont beau avoir une activité européenne, asiatique, américaine, si on décide qu'on doit augmenter l'impôt sur les sociétés ou sur les grands groupes avec une taxe exceptionnelle ou autre, ces groupes-là en feront partie. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là que le budgétaire, à un moment donné, peut devenir une source d'inquiétude, pas forcément, mais de prise de gain. Vous voyez, si effectivement on commence à dire, ces grandes boîtes vont peut-être payer peut-être plus d'impôts, là effectivement, c'est des sujets d'État, des sujets géographiques, des sujets budgétaires qui viennent, on parle que de la France à ce moment-là, mais qui viennent ou qui peuvent impacter la lisibilité qu'on a de groupes où jusqu'à présent on avait plutôt une lecture mondiale des choses, mais certains sujets domestiques peuvent effectivement avoir des effets. Voilà. Mais à ce stade, c'est ce que vous écrivez jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a fait que le CAC est aussi parti haut comme ça et que le luxe est bien repris? C'était quand même très très lié à ce qu'on a vu de la Chine en fait. Donc jusqu'à présent, on peut dire, mais encore une fois, les choses changent, hein, mais jusqu'à présent, la dernière séquence qu'on a vue du CAC 40, hein, sur le début de l'année en gros, c'est la reprise des indices chinois, des stats chinoises un peu moins mauvaises. On en a beaucoup parlé avec la dette immobilière, etc., qui s'est un peu améliorée, tout ça. Voilà, c'est ça qui a lifté le CAC. Après, est-ce que d'autres sujets peuvent prendre le relais? C'est possible, hein, mais jusqu'à présent, on a surtout vu que c'est la Chine en fait qui avait été le moteur pour le CAC 40, notamment par la reprise de plein de tout ce qui est tourisme loisirs. On a parlé avec la mobilité des Chinois qui s'était nettement améliorée. On est revenu sur des niveaux de mobilité par le train, par l'avion, en voiture également, qu'on n'ait pas vu depuis l'avant Covid, si vous voulez. Donc c'est vraiment la Chine, on peut dire comme ça, qui a et certainement pas les sujets domestiques, hein, qui ont tiré le CAC 40. Mais encore une fois, c'est une séquence. Voilà. Est-ce que la séquence d'après sera la même? Les marchés se renouvellent aussi de temps en temps en termes d'actualité. C'est sûr que si c'est l'aspect fiscal, budgétaire, baisse de dépenses et risque de hausse d'impôts qui peuvent viser les grands groupes, là effectivement, oui, le sujet pourra devenir un peu domestique. Exactement comme on l'avait vu par exemple sur l'Italie. Parfois, on avait vu dans des phases un peu de crise sur l'Italie ou de stress politique, les spreads s'écartaient. Tiens, d'ailleurs, parce que je les ai sous le coup de les spreads, je peux vous les montrer, c'est toujours intéressant, même si c'est pas du marché pur, enfin si c'est du marché, mais c'est pas du marché actuel. Mais regardez, là, en ce moment, et c'est ça aussi qui a lifté beaucoup le MIB, enfin qui a participé à la confiance sur le MIB ces derniers mois, c'est que, vous voyez, le spread Italie-Allemagne, vous l'avez ici en jaune, hein, c'est l'écart entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien. Il est retombé, vous voyez, à 1,20-1,30. C'est des niveaux tout à fait normaux, j'ai envie de dire, d'un point de vue historique, vous voyez, par rapport à l'Italie. C'est très loin des stress qu'on avait eu lors de la crise de la dette, où on était monté à des 500 points de base, vous voyez, d'écart entre les deux taux de référence Italie-Allemagne. Et vous voyez, on était monté à des 240 points de base ici en 2022, quand la Banque centrale durcissait le ton, quand elle montait les taux. Vous voyez, donc le retour à du spread, le resserrement du spread, a eu des effets très bénéfiques aussi sur les valeurs italiennes. Parce qu'on se dit, finalement, voilà, l'Italie n'est plus dans le collimateur des marchés d'un point de vue obligataire, même s'ils ont une grosse dette, etc. Les actions entreprises par le gouvernement en place n'ont pas été
des zones de crainte pour le marché. Il y a eu des, on a parlé de ça, ils ont vendu, l'État a vendu quelques participations dans des boîtes publiques donc pour le privé, pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses, etc. Vous voyez, ça a été plutôt bien perçu, cette séquence-là, hein, où l'Italie a aussi une croissance pas mauvaise, hein, quand on compare à l'Allemagne ou autre, je dis bien ces derniers temps, c'était mieux pour l'Italie que pour l'Allemagne. Donc tout ceci, vous voyez, a contribué effectivement à l'appétit pour les actions italiennes, hein, pour le MIB, le FTSE MIB. Et c'est pour ça aussi qu'on a été pas mal bullish, très en amont sur l'indice. Hein. Mais donc, de la même manière, ça a joué positivement. Imaginons que, je ne vais pas aller dans le bois qui arrive, le spread remonte, je ne sais pas, parce que l'inflation en Europe rebondit, parce que vous voyez que, et on s'inquiète que la BCE, finalement, oui, ben, sera peut-être une fois les taux, mais peut-être une fois une pause. Si les spreads commencent à rebondir, à s'écarter à nouveau 150, 180 points de base, vous voyez qu'on sent un mouvement de défiance sur l'obligataire, très probablement que ce mouvement sur l'obligataire sera aussi suivi d'un peu d'aversion sur les actions. Ah, donc voilà, il y a effectivement, il y a toujours des liens quand même entre ce qu'on perçoit d'un pays, ses actions, mais il y a des séquences, hein, où, comme c'est des boîtes mondialisées, bah, si un sujet d'être retenu, qui est un sujet de croissance externe, par exemple en Chine ou aux États-Unis, et qui prend le dessus, eh bien effectivement, on a tendance à acheter les actions parce qu'on considère que les sujets domestiques sont moins un frein à ce moment-là. Merci pour votre question très intéressante, ou en tout cas votre remarque. Autre question, tiens, on va aller plus loin. Ben, on voit que voilà, Laurent parle aussi, hein, du CAC, donc voilà, hein, Laurent Moinet, donc je viens de répondre un petit peu à la question. Effectivement, la question de la dot, on peut s'y intéresser aussi, hein, est-ce que la France peut être dégradée? C'est sûr que là, le dérapage budgétaire est quand même assez balèze. À la fois aussi, ce qu'on peut dire, je ne vais pas faire défense de qui que ce soit, il faut savoir aussi un peu ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire que souvent les Français ont crié sur à peu près tout, on n'est pas content sur à peu près tout, donc on réclame des aides de l'État à peu près pour tout, pour les chèques énergie, pour des... ça a un coût. Donc on peut dire aussi que on a acheté la paix sociale à coup de chèques, et que ceux qui ont touché ces chèques ne sont pas bien contents d'avoir touché, et que donc forcément ça n'a pas sur le budget. Hein. Donc il y a aussi une part de ce budget étiré, qui vient bah, des cadeaux fiscaux qu'on a pu faire, des cadeaux pas forcément fiscaux, mais des aides sectorielles, des aides, voilà, chèque énergie, ce genre de choses. Donc, si effectivement on ne veut pas qu'il y ait déficit de l'État, il y aura aussi besoin, oui, de faire des économies. Donc ça passera peut-être par des hausses d'impôts. Moi, je ne suis pas très fan de ce genre de stratégie. Plutôt baisser les dépenses. Est-ce que toutes les dépenses qui sont faites sont totalement indispensables? Est-ce que aussi des dépenses au niveau de certaines strates de fonctionnaires ou autres ne peuvent pas être faites s'il y a 10 fonctionnaires pour le même poste et qu'il y a un problème de productivité ou de... On peut aussi taper là-dedans, par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que les déficits, c'est aussi parce qu'il y a eu des aides sectorielles à un moment donné. Donc, voilà, on le paye aussi maintenant, donc voilà, on peut pas avoir paix sociale, très peu de déficit, etc. À un moment donné, hein, chacun doit faire des efforts. Bon, après, ça rentre dans le sujet politique, donc on va pas parler de ça maintenant. On enchaîne avec donc le DAX. On va faire un petit tour CAC, on va faire le DAX tout de suite. Alors, enfin, le DAX, je vous montre un petit coup de vol quand même, la vol globale. On va aller sur le VIX vite fait, mais comme ça préparera les marchés US tout à l'heure. Voilà, le VIX 13, il y a en fin de séance, c'est un petit peu lifté, mais c'était bon, c'était assez anémique. On est passé de 12,3 à 13 et quelques. Bon, petite tentative, mais ça reste extrêmement faible comme volatilité. 13 de volatilité, c'est parmi les. Hein, on a connu pas des petites phases en 2017 encore un peu plus basses, mais. Voilà, les taux n'étaient pas les mêmes à l'époque, la croissance n'était pas la même non plus, en tout cas dans certains états, dans certaines zones économiques n'étaient pas la même. Voilà, c'est quand même quand on arrive dans la zone 12-10, c'est vraiment des niveaux 8-12, on va dire, cette zone-là. Vous voyez ici, on y va très rarement, c'est vraiment des phases exceptionnelles. C'était avant la crise des subprimes, par exemple ici, avant le vol Maguédon ici, et encore un peu ici, avant. Voilà. Donc c'est quand même des zones extrêmement basses de volatilité, mais. Voilà, personne n'a envie de se couvrir, tout le monde trouve que c'est tout à fait normal de payer 20 fois les bénéfices, donc bah, tant que tout le monde trouvera ça normal, et tant que la Fed cirera les chaussures du marché sans vouloir le brusquer à aucun moment donné, eh bien oui, la vol restera basse, et ira même peut-être un peu plus bas. Hein. Encore une fois, 13, on peut faire mieux, hein. On peut aller à 11, on peut aller à 10, hein. L'histoire nous a montré qu'on peut aller encore plus bas. Donc, si les chiffres d'inflation vendredi tombent dans les clous, voire sont meilleurs qu'attendus, le VIX peut retomber à 12, peut même aller à 11, et puis on peut avoir un rallye encore du S&P de pas 3 à 5%, et des multiples qui vont aller chercher les 20 ans et demi fois les bénéfices, presque 22. Vous savez ce que je pense de tout ça. On a montré en début de semaine un graphique sur l'historique des multiples de valorisation du SP500, déjà dans les zones des zones chaudes, des zones où pas encore forcément de bulles, mais de début de bulles, oui, très clairement. Et ça peut aller plus haut. Une bulle, c'est ça. Hein. C'est pas de s'arrêter à 20 fois les bénéfices. On a vu que ça pouvait aller à 24, 25 fois les bénéfices au pic des bulles précédentes. Hein. Donc, voilà, est-ce que le marché va s'arrêter avant? Est-ce que la Fed va siffler, à mon avis, un peu la fin de la partie pour obliger les marchés à être plus calmes, pour éviter un stress financier futur? Ça, on verra. Mais pour l'instant, on a bien compris que dans les propos de Powell, il n'y avait aucune intention de faire ça. Donc, ben, le marché continue de pousser. C'est ce qu'on va donc voir tout à l'heure sur la partie américaine. Juste, on va faire un petit détour d'abord par le DAX.
Alors, on voit le DAX, vous voyez ici ses performances, il est beaucoup plus cette fois-ci surperformant que le CAC 40. Il y a eu des phases il y a quelques semaines où c'est le CAC qui surperformait. Là, on revient depuis quelques jours, le DAX enchaîne les bougies haussières. Effectivement, pour revenir à nouveau sur ces sujets macro par rapport aux indices, c'est vrai que quand on voit que l'Allemagne, et c'est probablement aujourd'hui qu'il y aura des annonces sur les prévisions de croissance allemande, je vous ai mis un message en début de semaine là-dessus, en gros, les instituts allemands sont en passe de réviser très 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 fortement à la baisse leurs propres prévisions de croissance pour cette année. Les dernières prévisions, c'était 1,3% en moyenne de croissance anticipée pour 2024, ce qui est un bon taux de croissance pour l'Allemagne. Et apparemment, les instituts devraient annoncer, c'était prévu pour aujourd'hui, je crois, j'avais vu passer l'info, devraient annoncer donc aujourd'hui probablement des révisions à la baisse. Et ce qui circulait comme chiffre dans un média allemand en début de semaine, c'était 0,1% de croissance au lieu de 1,3%. Donc là, oui, on peut se questionner. Ok, le DAX est un indice aussi mondialisé. Chine, notamment, beaucoup de liens avec le commerce chinois, les machines-outils, ce genre de choses. Donc ça compte. L'industrie, globalement, aussi avec les États-Unis. Et donc, pour l'instant, effectivement, on voit que les investisseurs sur le DAX n'ont absolument aucune crainte de la révision à la baisse éventuelle, donc on verra si elle est confirmée, des perspectives de croissance allemande. Voilà, donc la question, c'est, oui, les marchés ne sont pas l'économie à l'instant T, sinon, effectivement, on aurait déjà un DAX moins 5%, peut-être même moins 10% plus bas, mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas rattraper le DAX? Voilà, c'est ça la question. C'est si, effectivement, l'Allemagne réellement a une croissance anémique cette année, ben, ça va quand même peser sur l'ensemble de la zone. Hein. On ne peut pas avoir non plus des États qui... Il y a toujours c'est cette porosité d'un état à l'autre par le biais des échanges commerciaux, par la dynamique, par les commandes. Si l'Allemagne, la croissance est moyenne, très molle, hein, que la demande intérieure reste assez moyenne, etc., eh bien, par le biais moins d'exportations pour la France aussi, pour l'Espagne aussi, peut-être moins de touristes aussi, oui, tout ce genre de choses. Donc, à un moment donné, la macro rattrape quand même. Hein, si vraiment l'Allemagne reste sur du 0,1% de croissance, c'est-à-dire qu'elle flirte encore avec la récession toute l'année. C'est ça qui est prévu. Alors, ce qu'on disait quand même lundi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de stratégie là-dedans, stratégie en tout cas de volontairement mettre des chiffres. Où on prend ses prévisions les plus pessimistes qu'on publie pour ensuite pouvoir dire « Ah, on a fait mieux que ce qui était prévu ». Et c'est aussi d'une manière peut-être de pousser la BCE à baisser un peu ses taux. Vous voyez, même si l'Allemagne, historiquement, n'a jamais voulu que la BCE baisse trop ses taux, là, je pense qu'en ce moment, il y a plein de responsables allemands qui seraient tout à fait d'accord que la BCE baisse ses taux pour soutenir l'immobilier, pour soutenir l'immobilier commercial. Il y a aussi ces questions-là en Allemagne. Et pour soutenir la croissance. Hein, vous voyez, est-ce que c'est pas une stratégie aussi pour montrer, voilà, oh là là, on crée une très très mauvaise année, donc il faut aussi qu'on ait nos baisses de taux, vous voyez. Donc attention à ça aussi, peut-être qu'il y a un peu d'exagération dans les prévisions. D'ailleurs, on voit que les chiffres sur l'Allemagne, vous voyez, le ZIU ou l'IFO, les indicateurs avancés qui nous parviennent du terrain, donc des chefs d'entreprise eux-mêmes, ils sont pas catastrophiques. Le ZIU, il s'est largement bien redressé depuis quelques temps quand même. Hein. Donc voilà, c'est ça aussi peut-être que le regard des investisseurs, ils voient peut-être plutôt l'aspect data, terrain, enquête avancée type ZIU, et peut-être un peu moins les prévisions de croissance faite par les économistes. Peut-être qu'ils ont plus confiance dans la partie chef d'entreprise et tissu économique que la partie forecast et économiste. En tout cas, c'est un strike absolument incroyable. Il n'y a même plus de respiration. Hein. On part, on respire plus. C'est vraiment l'extension forte. Que dire de plus? C'est vouloir, encore une fois, ce qu'on dit tout le temps, on peut penser que c'est trop cher ou autre, mais par contre, on ne doit ou on ne peut tenter des phases un peu correctives ou autres que s'il y a signal. Là où se trouverait un éventuel signal, il n'y a rien. Quand les bougies s'enchaînent comme ça, que vous n'avalez pas la bougie de la veille, par exemple, hein, que vous n'avez pas clôturé en dessous, que toutes les bougies sont vertes, vous voyez, il n'y a pas de possibilité. Hein, donc on peut dire, bah oui, effectivement, on cherche à acheter, etc. Moi, ça ne passe. Il y en a qui sont en swing, qui achètent. Par contre, l'idée, quand on est swing et qu'on veut surfer sur les mouvements, selon moi, c'est toujours de placer des stops. Donc on remonte ses stops au fur et à mesure et vous placez toujours le stop en gros sur le bas de la bougie de la veille. C'est-à-dire que si là par exemple on ouvre sous du vert ce matin et qu'il y a un gros avalement baissier dans la journée, là attention pour ceux qui sont en swing par exemple, c'est le moment de commencer à prendre les gains ou de couper ses pauses longues à un moment donné. Et pour les shorters, c'est peut-être le moment de commencer à affûter un peu les stratégies baissières, à tenter de commencer à déclencher quelques petits shorts sur l'avalement baissier une fois qu'on a avalé la bougie de la veille. Voilà pour les genres de stratégies. Mais c'est impossible de dire si on va aller 5-10% plus haut ou si on va faire moins 10 dans les 1 ou moins 5 dans les 9 jours qui viennent. Il n'y a aucun signal de quelque nature que ce soit. On peut concevoir qu'il y ait besoin de souffler quand on voit effectivement certaines data macro, prévisions, ok, mais même pour la Chine, par rapport à la Chine, les indices chinois, ils ont perdu leur rebond de mars. Sur le Hang Seng, vous voyez le Hang Seng, tout le rebond de mars a été gommé. Là, l'Allemagne, ça monte. Donc, à un moment donné, il y a aussi des questions, et c'est ce qu'on avait, vous savez, expliqué il y a quelques jours de cela, sur la question du... mettre un petit peu la cam, voilà. Ce qu'on a expliqué sur la question du rapport États-Unis-Europe sur la cherté des marchés. Les marchés européens ont atteint des niveaux en prix relatif, si vous voulez, quand vous comparez les ratios court-bénéfice anticipés sur l'Europe, sur le stock 600,
toutes les grosses actions du stock du DAX sont dans le stock 600. Hein. Donc l'euro stock 600, vous regardez ces ratios et vous comparez ce ratio, le ratio cours-bénéfice et vous le rapportez au ratio cours-bénéfice américain. Et on était tombé à des niveaux de 0,5, 0,6. D'un point de vue historique, c'était quasiment les plus bas historiques en termes de ratio. C'est-à-dire, en gros, à un moment donné, le marché américain était presque deux fois plus cher par rapport à ces ratios cours-bénéfice que le DAX. Donc on est tombé sur des niveaux de tellement d'écart que même si le DAX a déjà beaucoup progressé, il peut y avoir des arbitrages. Je pense que c'est notamment ça qui tire le DAX à la hausse, d'investisseurs étrangers en fait, hein, qui remettent un peu plus d'Europe dans leur portefeuille parce qu'ils ont déjà surpondéré la partie américaine et ils cherchent à repondérer un peu l'Europe. Et donc, ils n'ont pas un regard, on va dire, macro ou autre, ils regardent juste cher, pas cher. Est-ce qu'on pense que dans les 2-3 ans qui viennent, ça ira mieux ou moins bien? Bon, on suppose que le pire est passé par rapport à l'Ukraine, par rapport à tout ça, d'un point de vue de l'énergie ou autre. Donc, c'est pas très cher par rapport aux US. On pense que le plus dur est passé, même si c'est pas encore glorieux, on le voit actuellement. On pense que le plus dur est passé et ça suffit si vous voulez attirer l'indice. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue dans les mouvements qu'on est en train d'observer actuellement. Voilà pour le DAX. On va enchaîner avec les marchés américains tout de suite. On va commencer par le SP500. Tac, tac, on se met sur la plateforme. Donc, vous avez le SPI ici, hop, l'SP500, donc, clac, en mensuel, donc toujours ces vues, voilà, très spectaculaire. Cinquième mois de hausse consécutif, un des plus gros runs de début d'année, hein, depuis 1945, enfin, vous voyez, c'est... Voilà, on est sur tout est question de presque superlatif désormais, un meilleur début d'année depuis 1945, des niveaux de cherté qu'on avait vu seulement post-Covid ou avant la bulle Internet. Bon, voilà, chacun tient la conclusion qu'il veut. On peut considérer qu'il faut toujours dans le sens du vent. Quoi. Oui, on peut aussi considérer que c'est cher, qu'on ne veut plus acheter, etc. Mais effectivement, pour shorter, et là on en revient au même niveau, c'est la question du signal. Où est le signal? Pourquoi le marché? Alors, la question, pourquoi il ne veut pas baisser? Moi, ça, je me pose depuis déjà plusieurs semaines. Mais par contre, si on veut commencer à shooter, il faut des signaux. Voilà ce qu'on indiquait un petit peu sur le S&P. Idéalement, vous voyez, là, on a vu cette phase, hein, de laquelle on était sorti grâce ou à cause, hein, selon ses positions dans le marché, grâce ou à cause de Jérôme Powell. On est sorti par le haut. Si on réintègre cette zone, on peut considérer, vous voyez, la bougie Powell, on va l'appeler comme ça, tiens, la bougie Powell, le chandelier, il est là. Si on retombe et qu'on avale la bougie Powell, ça peut être un signe. Signe que, attention, l'excès de confiance instillé par Powell, le marché le récupère et ça correspond en plus quasiment au haut de la zone de consultation précédente, hein, que vous avez ici. Voilà, donc si on devait commencer des shorts sur le S&P, voilà, sur ce genre de choses-là, je trouve que là, il y aurait quelques arguments pour le tenter. Vous voyez ? On a flirté hier, on a allé chercher la 5002, mais on n'a pas avalé la bougie. Voilà, c'est vraiment cette bougie qu'il faut regarder, c'est le repère. Hein. Avaler ça, retomber en gros dans la zone 5190-5180, et là, effectivement, on peut passer les stops pas trop près non plus, mais voilà, on peut commencer à essayer de jouer un peu contre-tendance. L'idée de ce mouvement contre-tendance, si on arrive à l'attraper, donc si le marché veut bien déclencher un petit signal qu'il ne se refuse à faire pour l'instant, l'idée c'est au moins d'acheter les obliques, voyez, hein, ce qu'on avait décrit, il y a deux belles obliques, deux creux ici qu'on relie, voilà, ça vous donne un petit nuage de, enfin, une petite densité d'obliques par là, sans compter les moyennes de prix ou autre, vous voyez, il y a du monde dans la zone, il y a du monde technique dans la zone, en gros entre 5000 et 5100, quoi, donc ce serait ça qu'on viserait, un peu le milieu de la zone par là, voilà, 5040, 5030, ce serait ça la zone. Mais il faut un trigger, hein, il faut un déclencheur. Tant qu'on est en navigue, tant qu'on a la bougie Powell en place, elle est importante parce qu'il y a un aspect psychologique là derrière, hein, de ce marché qui repart parce que Powell a confiance, etc. Donc si on avale une bougie réalisée dans ces conditions-là de confiance, c'est que le marché estime que bon, ben, on a pressé le truc, mais que si, ça manque à nouveau de catalyseur, vous voyez. Et c'est là qu'on peut décider de prendre plus de gains, surtout évidemment après un strike aussi remarquable. On va de le dire, hein, plus gros rallye là, depuis le début de l'année, depuis 1945 pour le SP500. Juste ça. Combien de fois les records sont faits pour être battus, blablabla? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais reconnaître aussi qu'à un moment donné, la zone de cherté est là et que plus on monte, plus on va être dans l'excès, tant mieux si on va profiter de l'excès, mais sachant qu'on est déjà potentiellement dans un excès, si on achète, c'est qu'on le fait donc consciemment, et il faut être vraiment prêt à dégager ses positions très vite à la première alerte. Pas quand le marché fait moins 0,5, c'est pas une alerte, mais voilà, typiquement, on shoot au-dessus d'un range et on réintègre le range ou on retape sur le haut du range, c'est ça ce genre de signaux avec lesquels on joue pas trop longtemps, quoi. Hein, si on voit que ça continue de perdre du terrain et qu'on shoot là-dedans à un petit coup, voilà, 5180, c'est là qu'on peut tenter. Mais tant qu'on n'y est pas, ouais, le marché il peut aller encore plus haut. Il y a pas de, encore une fois, il y a pas de, dans l'excès, on l'a vu par le passé. 21 fois les bénéfices, on peut aller à 23, 24, 25 fois les bénéfices. On l'a vu avant la bulle Internet. 25 fois les bénéfices, vous allez taper du 6000 points sans problème. C'est ça, 25 fois les bénéfices. Donc, c'est possible,
c'est très dangereux parce que ça se termine sans revanche, ça s'est très très mal terminé la fois d'avant, et même ici, la fois où on était à 22 fois et demi, 23 fois les bénéfices ici, pour le SP500, vous avez vu ce qui a suivi. Voilà, donc, toute une question de, est-ce que là, les autorités régulatrices américaines acceptent de laisser faire comme ils l'ont fait lors d'abus Internet, ou comme ils l'ont fait, mais là, la situation est un peu différente quand même ici. Là, c'était, il y avait du sanitaire, il y avait de la crainte économique derrière, donc vous voyez, c'était pas tout à fait... Donc là, à l'époque, c'était juste, on laissait gonfler le truc, on s'en foutait, quoi. Là, c'est un peu différent. Et derrière, d'ailleurs, les banques centrales ont durci le ton. Mais là, désormais, l'économie performe à peu près bien, il n'y a plus l'aspect systémique du Covid. Qu'est-ce qui gêne une banque centrale de dire attention quand même au risque futur de stabilité financière ou d'instabilité financière si on laisse les valos aller trop haut? Voilà, moi, je laisse tout ça. C'est un grand point d'interrogation, dossier ouvert. Pourquoi? Pourquoi veut-on favoriser ça? Ou pourquoi ne fait-on rien alors qu'on a la capacité de proposer une rhétorique qui sera adaptée à cet environnement-là? Pas une rhétorique inquiétante, une rhétorique data-dépendante, une rhétorique centriste, mais pas dovish. Voilà. On n'est pas à ce niveau, on doit être dovish. Surtout, pas dovish quand la vol est à 13. On peut être dovish quand la vol est à 25, 30 ou même 40, quand il y a un stress. Quand la vol est à 13, non, il n'y a pas de quoi être dovish. Il y a de quoi être data-dépendant et centriste. Voilà pour le SP500, un petit coup pour le Nasdaq. Alors lui, c'est le record absolu, tout est fou là-dedans. L'écart court moyenne de prix, les moyennes de prix entre elles, la faible durée du contact avec les moyennes de prix, des composantes qui sont verticales, en veux-tu, en voilà, Microsoft, c'est de la verticalité sur verticalité, Nvidia, vous connaissez la courbe, je vais juste pour le fun, voilà pour ça, les semi-conducteurs, vous les avez ici aussi, il y a quand même des bougies, ça c'est important, mais avant d'aller sur le Nasdaq, parce que dans ces composantes, il y a beaucoup de semi-conducteurs, on voit quand même, vous voyez, contrairement au Nasdaq, que l'indice des semi-conducteurs, qui avait quand même largement surperformé. Là aussi, je vous renvoie sur Twitter, je vous ai mis, c'était en fin de semaine dernière de mémoire, un comparatif entre le SOX, donc qui est cet indice-là des semi-conducteurs, et le Nasdaq. Et on voit que sur les deux, trois derniers mois, il y a une grosse surperformance du SOX. Et donc forcément, si le SOX surperforme, la pondération équivalente, donc, ou la contribution des semi-conducteurs dans le Nasdaq, forcément, lift l'indice. Mais sauf que historiquement, ce qu'on voyait aussi, je vous ai mis cette courbe dans ce Twitter, où on voyait qu'en gros, toute cette période-là, vous voyez 2019, 2020, etc., même 2018, il y avait une excellente corrélation Nasdaq-SOX, et que là, depuis quelques mois, notamment là, évidemment, avec Nvidia et toute cette thématique qui a boosté, eh bien, on a une surperf qui est rare et qui n'a pas été même observé sur les dernières années de corrélation Nasdaq-SOX, où jusqu'à présent, on avait vraiment une excellente corrélation, je ne dis pas au pourcentage près, mais pas loin. Donc, voilà, se pose la question, comment la suite doit évoluer? Est-ce que c'est le SOX qui doit rendre du terrain pour matcher avec sa corrélation historique Nasdaq? Et donc, le Nasdaq aussi ne peut avancer à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il doit... Ou alors, l'autre hypothèse, c'est que le SOX fasse ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a marqué un petit coup d'arrêt depuis quelques semaines, et que le Nasdaq progressivement le rejoigne. Mais ce qui veut donc dire, hausse encore Nasdaq. Moi, je trouve, et vous avez bien compris à mon raisonnement depuis des semaines maintenant, qu'il y aurait une logique à dégonfler un peu le thème AI, faire baisser un peu les chertés, les valorisations, etc. Donc, ce serait plutôt plus logique d'avoir un SOX qui vienne par là, voire par là, qui respire un bon coup, que du coup, les composantes dans le Nasdaq le fassent un peu baisser, mais où le SOX baisserait donc plus vite que le Nasdaq, ce qui permettrait quand même au SOX d'aller matcher le Nasdaq à un moment donné. Moi, je trouve que c'est ça qui aurait le côté raisonnable des choses, qui aurait le côté on dégonfle un peu les multiples, on dégonfle un peu les bulles, et puis, ou le début de bulle, et puis ça évite que ça nous pète à la figure d'ici 6 mois ou 12 mois. Voilà. Reste à savoir si le marché va être raisonnable, si la Fed veut pousser le marché être raisonnable, et tout le reste. Voilà pour le SOX, donc on revient au Nasdaq. Donc Nasdaq, voilà, il a fait une petite pause comme ici, mais la fameuse bougie Powell, vous l'avez également ici. Voilà, c'est pareil pour le Nasdaq. Hein. Alors, simplement pour le Nasdaq, est-ce qu'il faut attendre la bougie Powell effacée? C'est sûr que ce sera un signal. En tout cas, psychologiquement, il y aurait quelque chose. Hein. Si on avalait la bougie Powell le mercredi dernier, c'était il y a quelques jours, bougie Powell. Si on l'avale, oui, probablement, ça voudra dire quelque chose. On peut aussi tenter des... Moi, je trouve, là, le Nasdaq a tellement grimpé, tellement vertical, que des petits mouvements, vous voyez, où on tenterait, par exemple, ici, il y a les creux, c'est quand ça, c'est lundi, par exemple, hop, on rebondit, hier, ça retombe un petit peu, pas beaucoup, ça remonte. Vous voyez, si on sent que les rebonds, là, par exemple, ce rebond est plus bas que celui-là, si celui-ci est plus bas que celui-là et que celui-là, par exemple, vous voyez, et qu'on retombe à nouveau dans cette zone sous 18002, par exemple, ou sous plus bas ici, 18180, un peu comme pour le S&P, commencer à tenter des petites phases correctives,
target 18 000, target 17 800, vous voyez, ça vous fait des 400 points d'objectif, c'est-à-dire 2% de baisse à peu près, hein, du Nasdaq. Voilà, c'est déjà des choses qui, potentiellement, quand vous avez un rallye comme ça, absolument titanesque, de plus de 30%, avec quelques respirations quand même, mais des micro-respirations, là, ça paraît gros vu à l'écran comme ça. Quand vous les zoomez en mensuel, il n'y a rien, on voit rien. Où sont les respirations là-dessus? Moi, je vois pas. Vous les voyez, vous aussi, les respirations ici? Ah, moi, je vois pas grand-chose. Alors, une bougie rouge de temps en temps, mais sinon, c'est du linéaire, comme on l'avait post-Covid, comme on l'avait dans toutes les phases d'excès, comme on l'avait ici également. Ou comme on l'avait ici avant que ça lâche. Donc voilà, moi je vois quelque chose de très très vertical, et donc quand c'est très vertical, on n'attend pas 15 ans pour essayer de tenter quelque chose, si vous voulez. Il ne faut pas tenter tout le temps, parce que ça, c'est vous cramez à coup sûr en termes d'énergie et en termes de capital. Par contre, voilà, voir où les jours précédents on a fait une petite pause, c'est pas forcément sur des gros niveaux techniques. On voit les deux pauses précédentes, oui, une petite résistance par là, mais c'est pas forcément ça qui génère le petit rebond. C'est juste que je pense que personne ne veut trop vendre avant. Le chiffre d'inflation PCE, parce que tout le monde espère qu'il va être encore meilleur et que ça puisse encore aller plus haut. Et puis d'autres, dont je fais partie évidemment, considèrent qu'après un strike comme ça, bah, il faut quand même se méfier un peu des news et que le moindre grain de sable qui grippe un peu cette machine qui presse la perfection, eh bien, a de quoi vous faire baisser de 5%, peut-être en un ou deux jours. Vous voyez ? Voilà. Donc, dès qu'on sent que ça commence à devenir un peu plus défensif pendant quelques jours, qu'on commence à casser ou de tenter de passer à la baisse des petits supports, ça peut se tenter, vous mettez un petit stop serré, et voilà. Et puis, ça peut partir d'un bon coup, je vous dis 400, 600, ça peut être très vite en fait. Un Nasdaq, un truc comme ça, s'il commence d'un seul coup une stat qui n'est pas bonne, tout de suite, il va chercher au moins les premiers supports, c'est-à-dire 17 800, première zone minimum d'objectif. Et ensuite, il y a tous les fibos qu'on peut mettre en place. On met un fibo là, un point bas, point haut, à partir du moment où ça commence à lâcher, et que ça vous donne des objectifs, vous visez le 23,6, je ne sais pas par où il est, d'autre par là, voilà, ça va vous faire des 17 300, 17 200 dans le viseur à peu près. Voilà pour le Nasdaq. On enchaîne avec le Dow. Je vous ai mis une petite analyse sur Twitter, hein, je vous l'ai remis ce matin également, sur justement quelque chose qu'on avait longtemps observé, non pas joué, hein, je ne dis pas qu'on l'avait joué du tout, parce que sinon on aurait été publish Dow Jones non-stop. C'était cette phase-là. Alors là, on ne la voit pas là-dessus parce que je n'ai pas mis le... mais vous l'avez en fait ici, ça ne bougeait pas. Du temps. Voilà, je vous montre juste à l'écran, elle n'est pas tracée, mais je vous l'ai mis sur l'analyse. C'est en gros, vous étiez ici dans une zone, quand vous prenez cette zone haute ici et cette zone là, ici, vous étiez dans une espèce de canal, en fait, canal haussier, qui avait une hauteur d'à peu près 3600 points. Voilà, on est souvent parlé de ça. Je vais même la tracer, je crois. Attends, on va retrouver ça, voilà, sur un graphe, voilà, ici, graphe en deux jours. Vous avez une hauteur de 3600 points, point de cassure ici, on projette 3600. On avait dit que ça devait arriver dans la zone entre 39 500 et 40 000. On avait dit. Je ne dis pas qu'on a, encore une fois, hein, on est toujours honnête dans ce qu'on dit. Si on avait dit on joue ici non-stop les 3600 points, à chaque session, chaque live, je vous aurais dit on y va. J'ai simplement dit, c'est pour, quand on est vendeur, le risque qu'on a face à nous, c'est ça. C'est une projection technique qui va jusqu'à 39 500. Et donc en gros, tant qu'on ne l'a pas réalisé, potentiellement le marché peut être freiné en ses velléités de correction par simplement en fait un pattern graphique qui est surtout sur un gros canal, un gros range comme ça de presque un an et demi. Eh bien, c'est quand même une figure qui peut être puissante, et le marché a montré, et la figure a montré que ben oui, ça, cette capacité de réalisation d'une projection, un nouvel exemple que l'analyse technique a parfois des capacités de puissance qui est redoutable. Alors ça, c'est le constat. Désormais, par contre, la projection est réalisée. Donc, on ne peut plus dire qu'il y a encore, d'un point de vue graphique, des choses à prendre à la hausse. La figure la plus évidente, qui est celle-ci, a été réalisée. Et quelle figure, j'ai envie de dire, hein, 3600 points, c'est assez colossal quand même, hein, réalisé sur plusieurs mois. Donc, on entre désormais, d'un point de vue graphique en tout cas, dans une nouvelle phase. Il n'y a plus ce frein, éventuellement, de dire ben, le marché ne peut pas corriger parce que face à ça, il y a une figure qui est très bullish. La figure bullish a été consommée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit passer dans une figure baissière tout de suite, on est d'accord. Mais l'argument, est-ce qu'il y a encore du relais à la hausse d'un point de vue graphique, de quelque chose qui est vraiment très, très visible? Non, désormais non. Il n'y a plus d'éléments qui... Alors après, on peut tracer, je sais pas, des obliques, des choses comme ça, mais je n'en vois pas de manière évidente. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y a une oblique là, qu'on aurait raté, qui de manière évidente nous dise, tiens, on peut aller plus haut. Donc, je serais plutôt dans la posture... Vous avez compris sur les marchés US de façon de manière globale que je donne une posture bien prudente, pas prudente pensant qu'on va faire moins 40, prudente en considérant que ce serait bien qu'on ait une conso maintenant plutôt que d'attendre plus tard pour l'avoir cette conso, parce que plus tard ce ne sera pas une conso. Plus tard ce sera pas un crack non plus, mais ce ne sera pas une conso de 5-10%. Ça pourrait être du moins 20% comme on l'a habituellement vu, du moins 15, moins 15, moins 20 quand on exagère en termes de multiples et de trajectoire verticale. Donc, si on fait le pari que la raison va l'emporter, ou plutôt que la prudence va l'emporter, que
la fête ne laissera pas se former une bulle. À ce moment-là, on peut effectivement attendre des signaux, un peu de prise de gain. Énorme rallye, projection d'une figure haussière réalisée. Est-ce que le marché ne veut pas souffler un peu? Si vous voulez souffler après le dernier pétard ici, la première zone de support se trouve par ici. Vous voyez, première zone évidente. Il y a l'ancien sommet ici, mais ça c'est plutôt le trigger, c'est plutôt le déclencheur. C'est si on repasse dans le range précédent, le risque c'est d'aller chercher, vous voyez, un peu bull trap. On finit une figure haussière qu'on a décrite à l'instant. Et on retombe après à 38.005. Donc voilà. Donc si on devait déclencher quelque chose sur le dos, ce serait voilà, à partir d'ici, 39.002, 39.003. Si on commence à pénétrer sous cette zone-là, techniquement, vous avez à peu près 800 points à aller chercher. Voilà, voilà pour le dos. On enchaîne comme petit point sur les devises. L'eurodoll. 1 eurodoll, donc on parlait tout à l'heure du dollar, hein, de ses effets, plutôt on parlait du dollar par rapport au yen en introduction. Hein, pour ceux qui nous ont rejoints, j'ai fait une petite parenthèse de 5 minutes au début du live sur la situation actuelle où on voit qu'il y a beaucoup de discussions au Japon, ministre des Finances, Banque du Japon, sur le niveau, sur le glissement du yen par rapport au dollar notamment. Et ce qu'on décrivait, donc c'est qu'il y a aussi un des responsables, c'est pas seulement ce que fait la Banque du Japon, même si évidemment là, c'est quand même une grosse partie ce que fait la Banque du Japon qui explique la faiblesse du yen, mais. Il y a aussi la petite récup du dollar quand même. Hein. On le voit depuis à peu près un mois maintenant. On a flirté avec les. Et même depuis ici, même presque depuis janvier en fait, hein, décembre et autres. On était monté à des 1,11. On est retourné à 0,7. On s'affaiblit un peu et on se retend un petit peu. Vous voyez donc le dollar index a quand même retrouvé des couleurs. Pas des grosses couleurs, mais des couleurs depuis ici et encore ici. Vous voyez. C'est pas énorme, hein. Encore une fois, vous voyez, c'est des quelques pourcents. Mais quand vous êtes face à une devise qui est extrêmement faible parce que les rendements proposés par la banque centrale, c'est 0% au Japon et c'est 5,50% aux États-Unis, ah ben forcément, cette puissance du dollar est accentuée par l'extrême faiblesse des politiques monétaires, même si elles sont un poil moins accommodantes désormais. Il y a quand même un différentiel de politique monétaire qui reste majeur. Donc c'est exacerbé, j'ai envie de dire, c'est exacerbé entre le dollar et le yen, alors que c'est un peu moins visible peut-être entre l'euro et le dollar. Mais il y a quand même la trame de fond, c'est quand même le dollar, hein, qui a aussi retrouvé des couleurs, parce que les taux US, on l'a vu, hein, qui étaient redescendus à 4%, sont remontés dans la zone des 4,30. Voilà. Donc ceci étant dit, si on s'arrête donc que sur l'euro-dollar, toujours le même constat, il n'y a pas de grosse. Pardon, je cherche juste l'unité de temps voilà, ici. Toujours ces mêmes graphes que vous connaissez, mais qui sont. C'est la trame de fond, si vous voulez. C'est pour ça que les graphes, souvent des zoomés, daily, weekly, je pense à toujours comme. C'est le canvas, si vous voulez. C'est le truc où on voit les gros zones, les gros repères. Et c'est quand on commence à franchir le gros repère que là, on peut commencer par exemple. Vous voyez, là, on peut trader à l'intérieur de ça. Je ne dis pas qu'on ne doit rien faire. Hein, mais. C'est à partir du moment où on franchit des zones que les grosses manœuvres peuvent commencer. Vous restez dans un range pendant 12 mois, 18 mois, quand vous sortez du range, vous avez évidemment une énorme probabilité que la tendance que vous observez perdure pendant des jours, des semaines et des mois. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on est cantonné entre 1,05 et grosso modo la zone des 1,10. Parfois, quelques pics un peu au-dessus, mais il y a un range en gros de 500 points, une zone de 500 points. Tant qu'on est dedans, pas grand chose de plus à dire, ça peut jouer à l'intérieur, ok, mais si on doit être amené bien plus bullish, bah, il faut attendre de passer des vraies zones, 1,10, 1,11, voilà, résistance ici, la belle oblique ici, repassons au-dessus, restons un peu au-dessus quelques jours, clôturons quelques jours au-dessus, et là effectivement ça sentira bon, la volonté d'aller un peu plus haut, et là on pourra enclencher, vous voyez, je dis pas le gros trade, le gros effet de levier, mais on pourra du coup régulièrement travailler dans le sens de la hausse. Une accélération, déjà on sera joué à la cassure, puis dès que ça respirera, on ne dira pas shorton, ça va être plutôt attends ça respire, attendons la prochaine accélération pour aller plus haut, vous voyez, ça va être, on cherchera uniquement des signaux d'accélération haussière à ce moment-là. Alors que là, c'est très hésitant, très neutre, donc ça peut être aussi très hausse qu'à la baisse. Et donc c'est ce qu'on va jouer là, qu'on va surveiller et que vous pouvez trader si vous avez envie, c'est après la question un peu de la corrélation devise marché action. Ça aussi, on l'a pas mal décrit lundi, mais genre, en quelques secondes, on va le redire. Imaginons que cet après-midi, les marchés américains ne se comportent pas très bien, pour X raisons. Qu'au même moment, vous observez que l'eurodoll passe sous 1,08, que donc le risque marché se traduit par un achat de dollars, ce qui est assez fréquemment observé. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez tenter des petits shorts sous 1,08 parce que le marché action n'est pas terrible et vous faites un petit long dollar, donc short eurodoll, pour viser par exemple le support suivant. Là, ce serait adapté en pure stratégie intraday, mais à condition d'avoir un petit signal. Hein, baisse sous 1,08 et avec en parallèle idéalement des marchés actions qui se comportent pas terrible. Voilà. Si on doit acheter, on n'est pas trop dans la zone d'achat non plus, hein, c'est la zone des 1,10, mais donc attendons d'être ici. Voilà pour l'eurodoll. On enchaîne avec un petit point ici sur le dollar yen quand même, hein, c'est évidemment la vedette du jour. Alors d'abord des graphiques très très dézoomés. Moi je vous avais dit hein, sur des graphiques très dézoomés, je suis pas archi confiant sur la capacité du yen à retrouver beaucoup de couleurs. Hein. Vous voyez le
graphiquement, je dis bien graphiquement, dans toute considération monétaire, différentiel de taux, Fed, de BOJ, etc., juste graphiquement. Imaginons qu'on a un indice, par exemple, à l'écran, ou une action à l'écran. Est-ce que ce gros bottom comme ça, est-ce que vous avez l'impression que ça va plutôt finir par là ou que ça va plutôt finir par là? Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt finir par là. C'est un peu l'impression que ça donne. Hein. C'est tellement, tellement large, ce momentum, ce figure tellement large, du momentum très. Vous voyez, là, ça accumule et ça repart. C'est pas en trois jours qu'on est arrivé là, si vous voulez. Hein. Il y a eu des phases extrêmement ennuyantes ici où il ne se passait rien du tout. Et puis on repart. Et puis là, c'est effectivement la Banque du Japon qui intervient. Ça ne va pas trop. Ça repart. Hop, à nouveau. Vous voyez, mais on a l'impression, vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on avait sur le CAC ou le DAX à un moment donné. Vous voyez, on corrige une fois assez fortement. La correction d'après est un peu moins forte. Et puis après, ça arrive là pour faire quoi? Pour retomber par là ou pour aller par là? Vous voyez, je trouve que le risque haussier est présent en tout cas. Voilà, le risque haussier. J'aime cette expression risque aussi, vous voyez, souvent on dit, ah ben non, c'est pas un risque. Si, c'est le risque du scénario, c'est-à-dire que si tout le monde se dit la Banque du Japon doit intervenir pour faire remonter le yen, etc., le risque de ce scénario, c'est donc que le dollar continue de monter, c'est que donc le yen continue de s'affaiblir. Et je trouve que le pattern, si on parle que du pattern, hein, je dis bien que du pattern, si on fait abstraction de tout le reste, si on parle que du pattern, que de la forme du graphique qu'on a à l'écran, des moyennes de prix qui croisent à la hausse, qui sont un peu serrées, on hésite, et puis finalement on trouve la bonne trajectoire et on s'écarte à nouveau, ben je trouve que si on avait une action, un indice à ce moment, à la place du dollar yen, mais qui avait la même courbe, on serait plutôt à surveiller les cassures de résistance pour aller plus haut. Voilà. Alors évidemment, on a façon des banques centrales, c'est pour ça aussi que là, le pattern, on fait un peu gaffe quand même. Mais vous voyez, une action ou un indice, là, typiquement, genre de phase, je dirais, attention, une fois ça tape, deuxième fois ça tape, ça corrige de moins en moins bas, risque d'accumulation, triangle, et on part, vous voyez, on part à la hausse. Donc, voilà, il y a... Mais vous avez face à des banques centrales, et une banque centrale peut vous déformer le truc en 3 secondes, hein, si elle décide d'intervenir sur le spot ou autre, et de le faire de manière très très forte, elle peut vous ramener à 140 en un claquement de doigts. Hein. Donc c'est ça la force des banques centrales, c'est que le graphique vous dit ça doit aller plutôt aller à la hausse, l'historique vous dit ça doit plutôt aller à la hausse, les moyennes de prix ou autre, et pour autant, ben, vous pouvez avoir un bras de fer absolument titanesque avec une banque du Japon qui reste archi-puissante. Donc voilà, c'est un peu le risque, c'est un peu le risque. Mais graphiquement, voilà, si ça part à la hausse, au-delà de 152, 153, je ne dis pas en restant sur la pause pendant 50 ans, mais si de ce coup ça commence à monter, vous voyez, à 152, si, encore une fois, j'insiste, ça c'est pour les initiés, hein, pour ceux qui ont bien compris qu'une banque centrale peut vous faire une chute de 1000 pips en quelques minutes simplement. Hein. Donc c'est uniquement pour ceux qui veulent vraiment spéculer, il n'y a pas d'autre mot, avec des stops. Et alors, normalement, IG là-dessus doit aussi proposer des stops garantis. Vérifier, les stops garantis, ce n'est pas pour tout, hein, mais de la rien à revérifier, c'est pour ça que si des équipes commerciales ou autres, si vous avez des questions, vous les appelez et ils vous répondront, si, ou même sur la plateforme, vous allez voir, hein, s'il y a des stops garantis qui sont possibles. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les outils proposés par IG. C'est aussi pour ça que des bons brokers, il faut choisir son bon broker, les stops garantis, tout le monde n'en propose pas. IG en propose, c'est-à-dire quoi, un stop garanti, c'est extrêmement fort. Hein. C'est-à-dire qu'un stop garanti, imaginons que vous soyez long, par exemple, ici, faites le pari que ça va casser à la hausse à 155. Vous mettez un stop, je sais pas, 50 pips plus bas, stop garanti. S'il y a un mouvement très brutal de la Banque du Japon qui vous ramène 1000 pips plus bas, si vous avez un stop garanti, c'est IG, garantie l'exécution du stop en fait. Peu importe les conditions. Gap, pas gap, etc. Hein, donc voilà, c'est aussi important quand vous choisissez un broker. Là, je plaide pour ma baraque, mais c'est. IG est un très bon broker, à son point de vue. C'est pas parce que je bosse pour eux, c'est simplement au niveau du classement, au niveau des résultats, au niveau de tout ça, de la puissance des outils, de la liquidité ou autre. Les bons outils, c'est aussi important. C'est pas une question de pip. Ça c'est des vieux combats. J'ai envie de dire, ah, le pip, le spread, il est de, oh là là, de 0,1 plus cher que chez l'autre à côté. Enfin, si l'autre, il est à Chypre, il n'est pas régulé, il a zéro liquidité, zéro contrepartie, zéro couverture. Regardez ce qui s'est passé quand il y a eu l'histoire du franc suisse 2014, en 2014-2015. Plusieurs brokers ont passé l'arme à gauche. Hein, donc, voilà. Tout n'est pas qu'une question de spread, c'est important aussi, les coûts et autres, c'est important, mais quand ça se joue à 0, 0, 1 pip ou 0, truc comme ça, ce qui compte beaucoup à ce moment-là, c'est l'exécution, la liquidité, les stops, garantis ou pas, les comptes non négatifs, etc. Ça a beaucoup, beaucoup d'importance quand on veut trader de manière sérieuse et avec des bons outils. Voilà pour le dollar yen, on enchaîne avec les commodities, on va faire le pétrole. Pétrole, donc là aussi un peu une zone de non-mouvement actuellement. Il y a le beau rallye ici, on hésite un petit peu. Je vous ferai la même analyse que pour l'eurodoll, hein, sans faire trop long. En gros, on a vu quand même que le dernier rallye des matières premières ici n'a pas plus haut taux. Ça a plus haut taux plutôt, hein, ça a fait grimper les taux. Et ça a fait un peu stagner le marché à action. C'est-à-dire le dernier rallye sur les taux
à part Powell qui a remis un petit pédule sur le feu l'autre jour, mais sinon, le dernier mouvement qu'on a vu sur les taux avait plutôt bloqué un peu les indices. Hein, les fameux cas. On avait 2-3 semaines d'hésitation sur le Nasdaq, 2-3 semaines d'hésitation sur le S&P avant, encore une fois, que Powell ne passe par là et balance son petit coup de viche. Mais donc le pétrole, en gros, la hausse pétrole était un peu de négative action, parce que ça a influencé le sentiment sur les taux. Et d'ailleurs, je vous ai fait un article, là aussi vous le retrouvez sur le site d'IG ou sur Twitter, j'ai mis plusieurs fois le lien là ces derniers jours, sur justement, attention, par rapport au prix à la production, par rapport au prix des biens. Quand les matières premières repartent, il y a une influence potentielle sur le prix à la production et donc sur le prix des biens. Et ces deux segments-là avaient contribué négativement à l'inflation jusqu'à présent. Donc si hein, les services, l'inflation dans les services ralentit pas trop, et qu'en plus, ce qui avait faciliter le ralentissement de l'inflation, c'est-à-dire les biens et l'énergie désormais contribuent ou peuvent contribuer positivement, ça c'est un danger pour les baisses de taux de la Fed, très clairement. Donc c'est ça en fait que le marché action pendant 2-3 semaines avait un peu repricé, c'est-à-dire le Nasdaq ne montait plus pendant quelques temps, le S&P non plus, parce que la hausse des commodities avait lifté aussi les taux et le marché s'est dit aïe, attention à ça, attention au prix à la production, parce qu'on sait que les prix à la production influencent aussi l'inflation PCE, la fameuse inflation qu'on aura ce vendredi. Voilà. Donc en gros le raisonnement est très simple, si là dans les heures qui viennent le pétrole monte à 83 par exemple, à nouveau 82,5 sous sa résistance précédente, si vous voyez que le marché action n'aime pas, ce sera le risque qui va donc être que le pétrole monte encore et que la correction des marchés actions vienne de là en fait. Forte poussée des matières premières qui stressent de plus en plus l'action parce qu'on craint que ça freine le retour de l'inflation à 2%. Donc dans ce cas-là, vous pourriez par exemple acheter un pétrole à 83$ avec un marché action qui se casse la figure. Si c'est l'origine du stress des actions, c'est la hausse du pétrole, à ce moment-là vous pouvez prolonger les effets et jouer ça, vous voyez. Si en revanche, vous avez, je ne sais pas, un marché action qui baisse, comme ça corrige parce que voilà, trop cher, tout le monde veut prendre un peu ses plus-values, et que vous voyez que le pétrole au même moment baisse, c'est-à-dire qu'il passe sous 80. Là, c'est plutôt la thématique risk-off qui va s'appliquer, c'est-à-dire, c'est assez fréquent aussi, quand vous avez un stress sur le marché action, si c'est perçu comme parce qu'il y a des risques pour la croissance mondiale, parce qu'il y a un truc qui inquiète un peu tout le monde et qu'on craint pour la croissance, dans ce cas-là, c'est pas rare d'avoir des matières premières qui refluent, le cuivre, le pétrole, directement lié à l'activité en Chine, vous voyez, et dans ce cas-là, si vous voyez que le Nasdaq cet après-midi fait moins 1 et que le pétrole ou le Dow Jones fait moins 1, moins 1,5 et que le pétrole passe sous 80$, là vous pouvez tenter d'accompagner la phase de risque off, hein, donc d'inversion pour le risque. Donc voilà, le pétrole on le trade, je dirais idéalement ce sera en fonction de ces deux scénarios-là. Si après il bouge et que les indices font rien, c'est aussi possible, mais c'est, je veux dire, le trading sur le pétrole est facilité si on lit bien sur le marché action les effets, si vous voulez, ou les corrélations. Hein, voilà. Donc toujours bien garder un œil sur le marché action pour voir à ce moment-là que fait le marché action. Et ça peut être une indication justement de quoi faire sur le pétrole ensuite. Voilà pour le pétrole. On enchaîne avec un petit peu alors cuivre, ça c'était voilà, le gros rallye là aussi qui a lifté un peu le prix des matières premières. Ça se détend un petit peu quand même depuis quelques jours. Si ça allait plus bas en gros sur le cuivre, ce serait bien que les indices embrayent un petit peu à la baisse, par exemple, que ça corrige un peu sur les indices. Et là, on comprendrait que le cuivre veut corriger un petit peu. Mais sinon, sur la séquence un peu moyen-long terme des choses, je dis bien moyen-long terme, hein, je serais quand même plutôt à surveiller des éventuels niveaux de rachat de cuivre par là pour aller plus haut que de vraiment viser des retours à 8000. Mais encore une fois, c'est comme le pétrole. Hein. Si cet après-midi, les indices, peu importe, corrigent et que le cuivre passe sous 8000$ la tonne, ça peut être la phase un peu risk-off, hein, où tout le monde prend un peu ses gains et le cuivre peut en faire partie. Sans que vous visiez trop bas non plus, mais ça peut vous ramener, voilà, il y avait d'anciennes résistances qu'on avait cassées ici, ça peut être un pullback par exemple sur 8006. Donc oui, ça peut se trader comme ça. Mais n'oubliez pas aussi, hein, que ce qu'on a dit il y a quelques instants, que c'était la hausse récente des commodities qui avait permis au taux aussi d'être un peu plus haut, et que cette séquence-là, le marché action l'avait pas trop aimé. Donc on peut dire le phénomène dans l'autre sens. Si le cuivre là, repart, pour X raisons, mais qui repart, que le pétrole repart, et que vous voyez que les taux US montent au même moment et que les marchés actions n'aiment pas, dans ce cas-là, c'est là que vous avez le risque que ça commence à accélérer sur les commodities de manière un peu globale. Et du coup, c'est peut-être ça qui pourrait ramener à un moment donné une vraie correction sur le marché action, par l'effet des taux, par l'effet de l'inflation, et des non-baisses de taux du coup de la Fed dans la foulée. Voilà, donc pour l'instant c'est très ouvert, mais disons que voilà, ce qui est très clair par contre, si on s'arrêtait sur l'oblique, là vous voyez, pullback sur l'oblique, et qu'on repart sur la résistance ici, à 9200, je pense qu'il faut essayer d'accompagner et d'acheter le mouvement pour les plus. Acheter sur repli, je suis jamais un grand fan de ça, sauf si vous avez des stratégies long terme, ça oui, il n'y a pas trop de soucis pour le cuivre, je pense. Si vous êtes dans le swing, vous dites j'achète pour jouer le rebond, je vous dis, c'est là, vous jetez une pièce en l'air, c'est pareil, hein, donc non, il n'y a pas, je vois pas le voilà. Si vous allez plus bas, et que les indices US corrigent, oui, on peut tenter d'aller un peu plus bas et d'accompagner le mouvement. Acheter maintenant en faisant le pari que ça rebondisse, c'est aléatoire. Je préférais donc acheter quand le marché montre qu'il est dynamique, voilà,
qui repart, avec un pétrole aussi qui réaccélère. Pourquoi pas des bonnes données sur la Chine à ce moment-là aussi, et un cuivre là-haut, ce sera beaucoup plus confortable à ce moment de l'acheter, même si on a raté un peu le début du rallye, mais de l'acheter sur un vrai signal convaincant. Là, c'est aléatoire ce qu'on achète maintenant. En espérant, on croise des doigts, on fait des prières, en espérant que le support tienne. Vous voyez, ça, c'est pas du trading. Hein. Croiser des doigts, faire des prières, c'est pas du trading. Voilà pour ce point-là, un petit point sur le gold. Le gold, donc lui, toujours bien. Moi, le gold, si vous voulez, si on doit le décrire que de manière long terme ou moyen terme, pour moi, il n'y a aucune, comment dire, je dis pas aucune hésitation, mais j'ai pas de raison d'être baissier gold, voilà. Si on doit analyser ça sur des horizons de 12 mois à 18 mois, est-ce qu'il faut plutôt être acheteur, est-ce qu'on va plutôt aller par là, ou est-ce qu'on va plutôt se retrouver à 1400-1200, je dirais, je vois pas vraiment de raison, surtout qu'on a accumulé longtemps sous la résistance ici, avant de passer, je vois pas de raison fondamentalement baissière à moyen terme. Le seul truc qui pourrait impacter l'or à court terme, c'est purement ces questions de taux, d'inflation, du prix des matières premières, du coup, parce que les matières premières qui montent aussi, l'or, on la place un peu là-dedans aussi, c'est aussi des matières premières, l'or. Hein. C'est un actif multiple, hein, valeur refuge, un peu sensible au dollar parfois, matière première aussi, donc voilà, c'est un segment aussi qui a monté comme d'autres matières premières, mais qui a aussi monté grâce à Jérôme Powell l'autre jour, Powell qui est plus souple, que peut-être à un moment donné devrait l'être, etc. Vous voyez, ça lift l'or. Donc si à un moment donné, la Fed nous dit, ah les petits gars, vous croyez qu'il y aura 3-4 baisses de taux, c'est ce que presse le marché action toujours ici, enfin le marché action regarde les futurs Fed Funds, et les futurs Fed Funds, c'est entre 3-4 baisses de taux qui sont pressés actuellement pour 2024. Si les datas d'inflation tombent pas dans les clous, plus importantes qu'attendues, si le pétrole rebond, ce genre de choses, là par contre, c'est ça les freins alors. C'est là qu'on pourra avoir des retours à 2000, vous voyez, ou dans la zone 2000-2100, vous voyez, là on passe au-dessus, puis si les taux d'inflation, si les taux repartent un peu, etc., ça c'est temporairement baissier pour l'or. Mais après, pour que l'or baisse structurellement, pendant des mois, des trimestres ou autres, il faudrait vraiment qu'il y ait une problématique d'inflation qui reparte en fait, vous voyez. Voilà, ça ce serait le seul truc qui pourrait faire baisser l'or. Et donc, c'est pas le plus probable. Au pire, ça peut être un peu résilient, et du coup, ça peut un peu couper les pattes de l'or sans le faire retomber fort, mais ça peut couper un peu son élan et le faire latéraliser. Et au mieux, l'inflation baisse correctement, la Fed baisse ses taux juin, et puis 2-3 fois encore d'ici la fin de l'année, et il n'y a pas de raison que l'or ne monte pas plus dans ce contexte. Donc, j'ai pas d'argument moyen terme baissier pour le gold. Je dis, le seul truc dont il faut se méfier, donc ça va être évidemment les chiffres d'inflation ou autre, c'est de se dire, voilà, faites gaffe aux grosses prises de position avant l'inflation. Là aussi, c'est vous jeter une pièce en l'air. Donc, vous pouvez avoir des petites pauses, comment dire, qui jouent long terme, sur lesquelles il n'y a pas trop de danger, même si on descend à 2000 ou à 1009, parce que voilà, vous jouez ces pauses sur des 8 mois, 12 mois, 18 mois, pas de souci. Si par contre c'est du trading leveragé fort avant le chiffre d'inflation, c'est vous jetez une pièce en l'air, c'est pareil. Hein. Donc et voilà, faut plutôt essayer de travailler l'or entre ces séquences-là, justement, quand il n'y a pas un chiffre d'inflation qui est attendu 5 minutes plus tard, quand il n'y a pas un discours de Powell, voilà. Si par exemple là, je vais parler tous détendre encore un petit peu aujourd'hui, vous voyez, on repasse à 80 ou 90 sur le taux 10 ans, que le gold repasse un peu au-dessus de 2002, voilà, vous pouvez tenter des petits longs, on stoppe à 5-10$ et vous tentez de jouer les cassures futures. Parce qu'il n'y a pas de grosses échéances attendues aujourd'hui, il n'y a pas de gros discours, j'ai vu, sauf surprise, mais je n'ai pas vu aujourd'hui de programmé. Il y a Waller de la Fed ce soir, c'est le seul que j'ai vu, il parle à 23h, vous voyez, donc voilà, normalement on est un après-midi qui n'est pas très riche en data, très peu de speakers, en tout cas programmés, est-ce qu'il n'y aura pas qui vont parler comme ça, invités sur une chaîne et on ne les aura pas vus arriver et qui vont dire un truc, c'est toujours possible, on n'a pas encore une fois. Il y a certains speeches qui ne sont pas dans les programmes des calendriers de banque centrale. On regarde tous les calendriers Fed, BCE, c'est ce que je fais, c'est ce que je regarde sur Refinitiv aussi. Parfois, il y en a qui vont parler, hop, tiens, Bloomberg invite un membre de la Fed qui, hop, n'était pas prévu et qui vient parler. Voilà, et ça peut évidemment avoir son importance. Mais donc, c'est pour ça que je dis, c'est si on va trader l'or dans les signaux d'achat, oui, si les taux s'étendent un petit peu, vous voyez, typiquement là, on voit que le 10 ans américain, il est à 4,30 l'autre jour, il est à 4,23, 4,22. Si on voit que l'or, hop, passe un peu au-dessus de 2002, vous le mettez un petit stop à 5-10$ et tenter de jouer un peu plus long gold, etc., pourquoi pas, ça ne me choque pas du tout. Quand je stoppe bien ça, ça ne me choque pas du tout, voilà. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on évite de faire, par contre, à 5 minutes des publications PCE ou d'un speech de banquier central. Voilà. Voilà pour le gold. On termine par quoi? Le gold, je l'ai fait. Le silver, ouais, c'est toujours pareil. On vise toujours plus haut. C'est pareil que pour le gold, en fait. Hein. Le silver, s'il doit retracer un peu à un moment donné, c'est parce qu'une inflation peut être un peu persistante ou autre, mais je ne vois pas de risque structurellement baissier pour le silver. Voilà. De quoi reste un peu dans le range quelques temps encore, si effectivement les taux se redressent un peu, si l'inflation est un peu persistante, oui, vous pouvez, entre guillemets, poireauter dans ce range, hein, dans cette zone dans laquelle on poireaute, hein, déjà depuis un petit bout de temps. On poireaute sans poireauter non plus, parce qu'on avait quand même donné des petits signaux d'achat à 24, hein, et après, depuis plusieurs jours, on avait dit stop, hein, stop pour les positions longues ou autres, on laisse le dégonflement un peu se faire, mais l'idée c'est ça, c'est qu'en gros, on accumule, même si c'est long, même si on... pour après sortir par le haut, vous voyez, c'est ça l'idée. Et plus le range va être long,
plus le moment où vous taperez les 26$ sera moins important pour jouer la suite. Voilà, donc c'est ça que j'attends sur l'argent, ce scénario-là. On termine tranquillement par les cryptos. On va faire un petit peu les deux, Bitcoin et Ethereum aujourd'hui. On va faire un petit point Bitcoin, je vais finir par Ethereum. Il est reparti vite. Alors là, moi aussi, je suis un peu embêté par rapport à Bitcoin parce que, pas embêté parce qu'on attendait une respiration quand même assez importante. On l'a eu l'autre jour, 13 000$, ça fait quoi? Ça fait quoi 17% de baisse à peu près, un truc comme ça par rapport au sommet. Bon, on a eu un premier shoot. Moi, j'aurais pas été inconfortable avec l'idée que ça puisse. C'est monté tellement vite ici que ça puisse même chercher un peu plus bas. Vous voyez, en gros, les 50, c'est un peu la zone, on avait dit, hein, c'est la zone de la dernière vague baissière qu'on récupère, il y a des résistances par là. C'est la zone un peu, comment dire, c'est vraiment le gros support, voilà, c'est ça l'idée. La question, c'est est-ce que du coup, après ce shoot, on retrace un peu et on continue vers les 100 000 et quelques, ou est-ce qu'on, dans les mêmes thématiques que le Nasdaq, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on poursuit ce que moi je qualifie un peu de sentiment, un peu de bulle quand même qu'on a. Même son argument sur les flux, sur les ETF, etc., ça, une fois, on avait beaucoup parlé de ça à l'époque. On n'a pas attendu que les ETF soient validés ici, ou c'était quand début janvier, ou mi-janvier. Tout le rallye qui s'est opéré d'ici, de octobre, novembre, partie de décembre ou autre, se faisait parce qu'il y avait de plus en plus de dépôts de dossiers sur le bureau de la SEC, et qu'on sentait le truc arriver. Quand tous les gros, les mastodontes, Fidelity, BlackRock, tout le monde dépose ses dossiers, ils ne le font pas pour s'amuser. Ça, hein, c'est qu'ils ont un vrai intérêt commercial à le faire, un vrai intérêt financier à le faire, et donc il y a aussi une pression qui s'exerce sur la SEC. On disait voilà, il y a la probabilité que ce soit validé, ça croît de jour en jour. Donc c'est ça aussi que le marché a joué, hein, dans des 27 à 50 000. Il avait déjà, selon moi, peut-être que je me trompe, mais anticipé l'aspect flux. En fait, après, il était agréablement surpris par les flux. Peut-être qu'il ne pensait pas que les flux seraient aussi importants. Ça, c'est possible. Et c'est peut-être ça qui a généré aussi. Moi, je soupçonne quand même qu'il y a un peu de retail là-dedans, un peu de levier, hein, et un peu moins de smart money. Là, tout ce rallye, c'était massivement de la smart money. En gros, jusqu'à 50 000, un peu au-delà, c'était la smart money. On voyait très bien. Déjà, les niveaux de volume, très loin des volumes qu'on avait dans l'euphorie qu'on avait en 2021 ici. Les volumes daily étaient nettement inférieurs dans ce rallye, jusqu'ici à peu près. Et ensuite, les volumes ont commencé à s'accroître à partir du shoot que vous avez ici, vous voyez. Donc on peut dire, bah, c'est bien, les volumes accompagnent la hausse, oui. Mais les volumes, c'est toujours à lire dans les deux sens. Ça peut aussi être les volumes reviennent, parce qu'il y a à nouveau un peu d'effet de levier, parce qu'il y a un peu de spéculation qui arrive, et que la smart money qui est rentrée peut-être très tôt ici, va être moins empilée sur ce niveau-là. Elle va peut-être attendre des replis sur des plus gros niveaux pour remettre un peu d'argent sur la table, vous voyez. Donc voilà, moi je mets un petit point d'interrogation par là, je suis pas fondamentalement, si vous voulez encore une fois, c'est comme l'or ou l'argent. Si vous me demandez, est-ce que sur un horizon de 2-3 ans, il faut peut-être long Bitcoin ou short Bitcoin, je vous réponds, plutôt essayer d'être long, dépasser donc les résistances obliques par là, et chercher des niveaux un peu psychologiques, symboliques, des 100 000. Ça, c'est l'idée sur un horizon quand même plutôt moyen terme. Mais si vous me demandez, à ce qu'à horizon semaine, mais peut-être quelques mois, il n'y a pas un risque de revoir sous les 60 et d'aller à 50, pour moi ce risque il est encore un peu présent. Voilà. Donc, je m'emballe pas là pour ce dernier rallye. J'aurais aimé que la correction aille un peu plus bas, ça je l'avoue. Ça repartit un peu sec. Bon, donc on va pas chercher à lutter contre ça. On va pas shorter un truc qui rebondit. Ça, c'est toujours hors de question. C'est en revanche, il y a des obliques. Comme je vous ai mis l'autre jour sur Twitter, on n'est pas allé chercher, mais elles existent toujours pour autant. Elles n'ont pas disparu. Hein. C'est pas parce qu'on va pas les chercher que l'oblique disparaît. Simplement, le marché l'a pas mis dans son catalogue de niveaux à taper. Mais l'oblique est toujours là. Ici, ouais, cette oblique. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une hypothèse d'épaule haute, non, c'est pas vraiment ça l'idée, c'est plutôt ça, c'est un niveau, voilà, un vrai beau niveau, hein, bien visible. Voilà, si on devait, pas maintenant, hein, mais si on. Bon, vous sentez que la bosse, là, imaginons, tiens, le Nasdaq corrige un peu, tiens, le Bitcoin corrige un peu au même moment, donc ça dégonfle un peu sur les actifs à risque, de manière un peu globale. Si vous, il n'y a pas une zone royale pour rentrer et viser l'oblique, mais en gros, hein, le jump, il se fait en deux séquences comme ça, imaginons qu'on atterrisse un peu par là. À un moment donné, quand vous éloignez du sommet ici, que vous rapprochez de l'oblique, vous pouvez dire, bon, ben, là, je vais commencer à jouer un peu le retour sur l'oblique, vous voyez, parce que la moyenne de prix, c'est pas mal, la daily. Pardon, c'est pas une daily, c'est une 10 heures, excusez-moi. Mais bon, du coup, on ne la regarde pas. Donc, 10 heures, c'est pas une référence. Donc, on ne va pas la regarder. Donc, il n'y a pas de, donc là, il n'y a pas de recette miracle. Il hein. Y a une petite résistance par là, voilà, petite résistance peut-être par là. Il ne faut pas chercher non plus un niveau à tout prix, mais en gros, c'est de dire, à un moment donné, si on sent que le truc s'essouffle et qu'on est plus proche à de l'oblique que de la résistance ici, on va chercher le côté voilà, attraction de l'oblique et on va jouer le retour sur l'oblique. Et pourquoi pas casser un peu en dessous. Donc, à vue d'œil, voilà, à la louche, on va dire ça comme ça, sous les 67 000, ça peut commencer à être un peu pesanteur qui commence à arriver à nouveau, et peut-être que ça peut exciter un peu les algos pour des prises de gains, voilà. Et c'est là qu'on peut essayer de shooter, voilà, des 5-6 000 dollars plus bas, au moins sur l'oblique. Voilà pour ce point, et puis Ethereum. Il y a du gros micmac sur Ethereum, hein, vous l'avez vu en ce moment, donc jusqu'à présent, l'idée c'était quoi? C'est de dire, ETF Bitcoin validé, il n'y a aucune raison que la deuxième plus grosse Ethereum n'ait pas son ETF.
S'il y a un ETF Bitcoin, pourquoi la SEC ne valerait pas un ETF? Sauf qu'entre-temps, les régulateurs US s'en sont mêlés, pas la SEC, d'autres, CFTC, il y a aussi des procédures en cours, j'ai pas les noms des boîtes concernées, et où en gros, on reproche, ou on dit que certains régulateurs américains disent « Mais non, mais attendez, Ethereum, c'est une security. » Donc, ce n'a pas le même statut que Bitcoin, en gros. Et donc, on ne peut pas le dériver de la même manière en ETF. Donc, du coup, ça, je ne dis pas que ça qui a fait baisser ça, ça s'est arrivé un peu après, mais le sentiment qui avait vraiment lifté Ethereum ici, pourquoi Ethereum montait autant à ce moment-là, c'est de dire, on projette ce qu'on a vu sur Bitcoin, on pense que s'il y a ça sur Ethereum, la même chose, les flux vont être massifs, etc. Il y a ça, ensuite, il y a une déclaration, je crois que c'est BlackRock ou un autre, je ne sais plus lequel, Fidelity Telecom de chez eux, qui a dit qu'il n'y a pas la même demande de la part des clients pour un ETF Ethereum. Quand c'est quelqu'un qui contacte des clients et qui vous dit il y a un peu moins d'appétence pour ce genre, il n'y a pas de demande similaire, contrairement à l'ETF Bitcoin, où effectivement, je pense que beaucoup d'Américains un peu fortunés voulaient en mettre sans avoir directos une plateforme ouverte chez Binance ou je ne sais pas où, voulaient le mettre dans leur portefeuille à côté de leur ETF SPY, à côté de leur ETF Nasdaq, à côté de leur ETF Gold ou autre. Ils voulaient quand même du Bitcoin pour la diversification patrimoniale, on va dire. C'est un peu poussiéreux comme terme, mais c'était bien ça. C'est beaucoup les ETF pour ça, pour l'aspect retraite, patrimoine, placement long terme. Voilà. Pas pour l'aspect spéculation. Et voilà, apparemment, certains disent que, dans certaines boîtes, disent qu'il y a la demande un peu moindre. Donc ça peut un peu peser sur Ethereum. Après, je ne suis pas fondamentalement inquiet. Je pense qu'à long terme, là encore une fois, les niveaux, c'est de viser le retour sur le sommet ici, mais pas forcément en 2 jours, en 3 mois ou en 2 semaines. Vous voyez, ça peut passer entre temps par des grosses respirations encore et autres. Donc voilà, je suis, comme pour Bitcoin, je suis un petit peu pour l'instant pied sur la pédale, sur le frein plutôt, à dire attention, un peu gaffe quand même, il y a quand même une sacrée correction, hein. 4000 à 3000, c'est 25% de baisse, donc c'est pas mineur, il y a quand même un beau truc, mais je suis pas certain qu'il faille se précipiter à nouveau là-dedans. Si vous voulez pas vous poser la question, à horizon 12-18 mois, je pense qu'il faut en avoir, il faut plutôt être long, à court terme, pour toutes ces problématiques qu'on a de un peu de survalorisation des marchés ailleurs, actions ou autres, on peut donc avoir un risque à un moment donné que, sur des questions de taux ou d'inflation, il y a encore une petite claque baissière avant que ça se normalise. Donc, je suis un peu prudent pour l'instant. Je ne pousse pas à court terme à aller être long. À moyen terme, oui, si vous avez envie. À court terme, non. Et des mouvements un peu défensifs. Vous voyez, si on a un Bitcoin qui reflue un peu plus fort, Ethereum qui suit le mouvement, Nasdaq qui baisse un peu. Voilà, vous voyez, il y a un petit rebond ici. Si vous commencez à tomber sur 3004, 3003, si vous revenez dans ces zones-là, attention. Peut-être qu'un nouveau shoot à 3000 est possible, 10% de plus de baisse. Voilà. Selon la stratégie, pourquoi pas. Je vous laisse là-dessus donc pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain matin pour le dernier live de la semaine. Je ne serai pas là vendredi. C'est jour férié au Royaume-Uni et IG est en groupe anglais. Donc on a droit, c'est bien sympa de leur part, à ce jour férié également en France pour le staff français. Donc demain sera le dernier live de la semaine consacré à la macro. Mais je vous reparlerai évidemment, et on parlera évidemment demain, beaucoup de l'inflation de PCE qui sera publiée vendredi. Très très bonne journée à tous. Merci pour vos likes si cette vidéo vous plaît. Et puis rendez-vous sur les réseaux, comme d'habitude, pour continuer sur tout ça, Twitter, LinkedIn, pour continuer à être connecté en dehors des lives. Très bon après-midi à tous et bon trade. Au revoir.